Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue en direct. Aujourd'hui, pour votre agenda dans les Pays de Savoie, nous sommes ici en Haute-Savoie, dans le 74, au niveau de la station du Grand Bornand. Nous sommes un peu plus à 1400 mètres d'altitude si vous nous rejoignez en direct en ce vendredi. Un peu de fraîcheur, car nous sommes un petit peu montés en altitude aujourd'hui pour vous faire ce direct depuis la station Haut-Savoyard, donc du Grand Bornand. Bienvenue à vous tous. Vous voyez qu'aujourd'hui, bah, le temps est plutôt assez ensoleillé aujourd'hui hein, par rapport à hier. Il y a eu beaucoup de chutes de neige hein, ces dernières heures, hein, notamment ici dans cette station donc Haut-Savoyard. Bienvenue à vous tous. Merci de nous rejoindre. 16h42, comme chaque vendredi, on fait un petit tour sur vos conditions pour votre agenda pour ce week-end ou aller donc dans les Pays de Savoie donc avec la place du village. Voilà donc pour ces bons moments donc on voulait vous faire partager ici donc en direct donc en ce vendredi en fin de journée. Vous voyez voilà le soleil se couche tout doucement ici dans cette station au Savoyard. Donc voilà pour ces quelques images qu'on voulait vous offrir aujourd'hui donc en direct pour ce agenda qu'on va donc se retrouver aujourd'hui. Bienvenue, merci d'être avec nous en direct comme chaque vendredi avec vos différents événements à venir donc dans les Pays de Savoie. Un peu de fraîcheur, 0 degré ici actuellement en cette fin de journée dans ces conditions du direct. Allez, on va commencer vite fait par donc vos premiers événements à venir dans les Pays de Savoie. Ça sera donc un des événements donc dans les Pays de Savoie si tout se marche bien. Voilà, ça y est, on va commencer ces événements avec le concert des Citarins qui aura lieu le samedi 16 novembre du côté de l'église de Hauteville-Gondon. C'est un concert organisé par ce groupe que la place du village accompagne souvent hein, dans nos reportages. Et ben nous serons donc on vous invite à participer à ce concert donc des Citarins. Donc ça sera donc le samedi 16 novembre à partir de 19h donc à l'église de Hauteville de Gondon. Donc un rendez-vous à ne surtout pas manquer. D'autres événements aussi ce dimanche 10 novembre, cette fois-ci, vous aurez rendez-vous à 16h devant la mairie d'Annecy, un événement national et simultané en plus, un peu partout, Grenoble, Lyon, Brest, Montpellier, Nantes, Strasbourg et d'autres grandes villes en piste pour l'événement. Tous à vélo, le vélo enjeu des municipales pour 2020. Et bien Anne-Cyclo donc vous invite ce dimanche 10 novembre devant la mairie d'Annecy avec votre vélo à partir de 16h, donc n'hésitez pas à vous rendre sur place. La foire de Saint-Martin, cette fois-ci du côté de Albi-sur-Chéran, ça sera ce lundi 11 novembre de 8h à 18h. Produits du terroir et artisanat seront donc au rendez-vous. Animation donc enfants, pêche à la truite, spectacle de rue, fête foraine, stand des associations. Donc on vous invite du côté de la foire de Saint-Martin donc à Albi-sur-Chéran. En plus c'est férié lundi, donc profitez-en pour donc vous rendre sur place pour cet événement. Un autre événement aussi, c'est Annemasse avec une bourse au ski. Vous savez, la saison arrive et les stations, vous serez très nombreux à rejoindre les stations dans les prochains week-ends. Et on vous invite du côté du complexe Martin Luther King demain et dimanche à une bourse au ski. Plus de 10 000 articles avec un dépôt de matériel. Vente aura lieu dimanche de 9h à 17h et le retrait du matériel sera dimanche de 17h à 18h30. Donc à Annemasse, n'hésitez pas à vous rendre sur place pour cette bourse au ski. Un autre événement à ne pas manquer avec la soirée disco au casino de Saint-Julien tous les samedis à partir de 22h. L'entrée est de 15€ tous les samedis à l'exception de chaque dernier week-end du samedi et vous invite à faire la fête avec le thème disco. Donc ça sera au casino de Saint-Julien. Donc rendez-vous tous les samedis. Nos événements à ne pas manquer, c'est aussi demain du côté de la salle des fêtes de Halinge avec un super loto sur le thème d'Halloween à partir de 20h avec l'ouverture des portes dès 18h30. 7 jours en Thaïlande à gagner, un week-end à Séville et un week-end à Porto. Donc un bon loto sur le thème d'Halloween donc du côté d'Halinge. Ça sera demain samedi 9 novembre à partir de 20h. Armistice, vous savez, c'est lundi et la commune la mairie d'Ambilly donc vous accueille sur plusieurs jours pour fêter l'armistice. Donc je vous rappelle, c'est lundi 11 novembre avec la cérémonie à 17h. Vous avez aussi dimanche 10 novembre à 16h avec la conférence, une conférence qui sera donnée. Et puis vendredi, tout à l'heure justement à 19h, dans 2h environ, vous aurez
préparé donc une projection du film Au revoir là-haut. Donc un bel événement, donc bien marqué du côté de Ambilly. Ça sera donc pour cet événement de l'armistice. Deux événements avec le concert orchestre des Pays de Savoie qui vous donne rendez-vous au Majestic à Chamonix à partir de 20h30. Ça sera donc demain. Donc n'hésitez pas, plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le site de Chamonix Mont-Blanc. Une bourse snowboard cette fois-ci donc est organisée du côté de la vallée de, justement, de Chamonix-Mont-Blanc. Ça sera donc ce samedi 9 novembre à la maison nordique de 8h à 11h. Vous ferez votre dépôt et puis la vente est organisée de 13h jusqu'à 17h. À Birpoche vous invite à une soirée festive avec Acroglisse ce samedi 9 novembre avec un concert, un DJ, bar tapas, ouverture à partir de 19h30. L'entrée est totalement gratuite à la salle polyvalente. Pourquoi pas commencer la bonne saison donc pour cette soirée Acroglisse, pardon, donc à Birpoche ce samedi 9 novembre. Un autre événement à ne pas manquer avec le marché de Noël cette fois-ci. Ça a lieu ce vendredi 8 et ce samedi 9 novembre avec notamment un concert demain à partir de 15h. Donc venez vendre de gourmandises et de petits cadeaux de Noël. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Puis il y a aussi un marché de Noël de 10h à 18h. Et puis un concert donc à 15h à l'abri des pèlerins par l'Académie à De Guinée. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer du côté de Saint-Martin de Bellevue. Marnaz vous invite un super loto demain, samedi, à partir de 19h. C'est organisé par le ski club de Marnaz-Vougy. Donc n'hésitez pas, pourquoi pas, à participer à ce loto avec un voyage pour deux personnes à gagner du côté de Corfou, en Grèce, sur l'île de Corfou. Donc n'hésitez pas à participer à ce loto donc, du côté de Marnaz. Ça sera ce samedi 9 novembre. On continue toujours ici depuis, je vous rappelle, le Grand Borno au Vieux Chinaillon avec la bourse aux vêtements, automne, hiver, enfants et adultes, périculture. Ça sera demain du côté de Omnion à la salle polyvalente. Ça sera donc, les ventes auront lieu de 9h à 16h30. Un autre événement du côté de Rumilly avec l'école Jeanne d'Arc qui vous propose demain, samedi 9 novembre, de 8h30 à 15h, la bourse aux vêtements enfants hiver de 0 à 14 ans. Donc, infos et réservations, vous voyez juste à côté de moi. Donc, tous les renseignements pour plus donc pour cette bourse au ski à Rumilly, donc c'est en Haute-Savoie. Toujours à Rumilly encore, ce vendredi et demain samedi 9 novembre, à la salle des fêtes, encore une autre bourse du ski, pardon, qui aura lieu organisée par le club montagnard rumilien. Les ventes auront lieu demain samedi de 8h à midi et de 14h jusqu'à 17h. On continue avec opération nettoyage des pistes au massif des Brasses. Ça sera ce samedi, donc demain, samedi 9 novembre, à 13h30 au parking de Chêne-Nord. Si vous aimez donc les skis, venez-y et on ramène les outils. Donc n'hésitez pas si vous voulez participer à ce bon moment. Donc avec l'opération nettoyage des pistes, c'est donc demain, samedi 9 novembre, au massif des Brasses. N'hésitez pas. 21e salon des vins et des produits du terroir du côté de Sevrier. Ça a lieu aujourd'hui, demain et dimanche. Donc demain de 10h à 19h30 et dimanche de 10h à 19h au profit des offres sociales du Lyon Club Anne-Silac. Donc c'est du côté de Sevrier, c'est en Haute-Savoie. Un autre loto aussi ce dimanche est organisé par les pompiers de Morzine au Palais des Sports avec, vous voyez, à gagner un séjour vacances, une console de jeu, une enceinte connectée, une trottinette électrique et de nombreux autres lots. N'hésitez pas donc à participer à ce loto. En plus, c'est pour les pompiers de Morzine car c'est organisé par l'Amicale, en plus hein, des sapeurs-pompiers. Début des parties à partir de 16h30, ouverture des portes à partir de 15h. Toujours ici en direct depuis le Grand Mornant pour cet agenda un petit peu délocalisé avec notre régie mobile. Vous voyez que le soleil se couche tout doucement hein, juste derrière moi. On va terminer par une dernière info avec du côté de Thônes ce dimanche à la salle des fêtes à partir de 19h30. Une soirée choucroute organisée par le rugby club Thônes Aravi. Une soirée dansante animée par Bacalage Horaire. Donc n'hésitez pas, plus de renseignements donc, sur le site du rugby club Thônes Aravi pour participer à cette soirée choucroute.
Ben voilà, pour cet agenda, merci à vous tous. Vous étiez encore très nombreux à nous envoyer vos événements. Si vous en avez d'autres, ben, n'hésitez pas, hein, bien sûr, sur notre page Facebook, hein, via notre messagerie, voilà, qui s'affiche en bas de l'écran, pour avoir, nous envoyer encore plein d'événements. Donc, chaque vendredi, je vous rappelle, on fait un tour d'horizon en direct. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes du côté du Grand Bornand. On ira un peu partout durant donc cette saison d'hiver qui va doucement s'installer dans nos pays de Savoie. Avant de se quitter, n'oubliez pas aussi de nous retrouver sur la page Facebook, 303 000 abonnés. On vous en remercie quand même de votre fidélité. Puis vous avez aussi la chaîne YouTube de la Place du Village aussi, hein, pour vous retrouver plein de bonnes vidéos que nous faisons un petit peu partout avec Philippe et Jean-Noël. Et puis des petites capsules vidéo aussi à retrouver sur le compte Instagram de la Place du Village. Un peu plus de bientôt 15 000 hein, abonnés. Donc on vous en remercie de votre fidélité. On va justement aller, on va refaire un petit tour ici sur cette fin de journée du côté, donc je vous rappelle, de Chinaillon, du vieux Chinaillon exactement, hein, le vieux village du vieux Chinaillon, un superbe endroit qu'on vous conseille de venir durant donc l'hiver qui approche très rapidement. Regardez, c'est magnifique ici, regardez la neige qui est tombée très abondamment ces dernières heures ici, donc à 1350 mètres d'altitude. En cette fin de journée, il est 16h52 si vous nous regardez en direct, voilà, tranquillement, regardez, c'est super, vous voyez, hein, il y a quelques petits travaux juste en face de nous avec la grue. Mais regardez, voilà, le blanc est bien au rendez-vous. Oui, oui. Et puis si on fait bien un autre cadrage, voilà, vous allez voir que ici, bah, vous voyez, la neige n'est pas encore bien installée là-haut. Mais petit à petit, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Les températures se refroidissent petit à petit ici en station, donc du côté du Grand Bornand en Haute-Savoie. Regardez, c'est une très très belle fin de journée qu'on ce vendredi. Donc 8 novembre 2019, regardez, avec le coucher de soleil juste en face de nous, ça c'est magnifique, voilà, c'est ça le direct donc qu'on voulait vous proposer donc aujourd'hui pour cet agenda, donc depuis la station du Grand Bornand. Bonjour à vous tous, si vous nous regardez en direct, vous êtes encore très très nombreux, donc à nous suivre, voilà, avec les belles montagnes bien enneigées ici, donc du côté du Chinaio au Grand Bornand, voilà, de belles images. C'est magnifique avec, voilà, regardez, hein, pas mal de neige hein, ici. Voilà, on fait un petit peu, un petit zoom ici, regardez, voilà. Il y a pas mal de neige quand même ici. Là, nous sommes donc actuellement pour cet agenda, donc depuis le vieux Chinaillon. Voilà. Voilà pour cet agenda qu'on voulait vous faire ici en direct depuis le Chinaillon. Un petit peu frais, il fait 0 degré. On a mis l'écharpe, on a mis la doudoune, le pull dans l'aide. Parce que c'est vrai, il faut quand même se couvrir si on veut donc faire un direct. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On va se quitter en musique avec la chanson Bella Ciao, chantée par les plus beaux musiciens donc de nos pays de Savoie, qu'on va retrouver tout de suite pour finir donc cet agenda. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain, donc aux alentours de 16h, 16h30. Tout dépend bien sûr des conditions météorologiques. Même s'il neige, même s'il pleut, on sera là en direct chaque vendredi. Donc pour cet agenda. Voilà, merci à vous tous et à très bientôt. Arvipa et à bon week-end à vous tous avec la Place du Village. On sera peut-être un peu partout durant ce week-end. On vous en dit pas plus sur donc nos directs que vous nous suivez régulièrement. Merci à vous tous et puis à vendredi prochain. Et on se quitte en musique avec Bella Ciao. Au revoir, bonne soirée.